Check, check, talk table. Check, one, two, one, two. Mike P on the mic. Mike P on the mic. Yeah. Doo-doo-doo-doo-poo. C'est sûr que si jamais tu fais du rapper, il faut que ton nom soit rapper. Mike P. Mike P. Mike P. Mike P. Alright, gang. Fait qu'on va commencer ça. Fait qu'il vient d'arriver, il vient de prendre son taxi puis il a payé à 4 cadeaux. Ça, c'est un bien que donne. P.O. Baudouin Léonard, il vient d'arriver. Non, mais il avait acheté une dose, il a payé avec 11. Tu vois bien, il en reste rien qu'une. Ça vient pas de la barre. T'avais-tu entre tes jambes tout le long dans le genre? Oui, ben oui, la ramener tablette, voyons. Chacun deux. On commence ça. Même live. Salut tout le monde, bienvenue dans les loges. Un autre épisode où les endroits passent plus de temps. C'est quoi encore? Ça fait deux semaines qu'on est pré-off. C'était quoi encore mon esti slogan? Les endroits, ouais. C'est ça, bienvenue dans les loges. L'endroit où les humoristes passent plus de temps que sur scène. Bon, merci les boys. That's right. Pratique-les. Tu me rappelleras, ouais, mec. C'est ça, exact. J'étais trop étourdi. L-O-G-E-R-L-O-G-E. L-O-G-E. Il l'a appelé. Il l'a appelé. C'est ça qu'il a fait. C'est parce que je l'ai pas compris. C'est G ou G? G. Ah, fuck! Est-ce qu'on peut répéter? L-O-G. G? G. L-O-G-E-R. Loge. No, we did it. Ah, mais il y a un S. So, c'est les loges. Les loges. L-R-S. L-O-G-E-R. Les loges. Chanson répondre avec Patterson. Moi, de Red Bull pour Patterson. C'est un ACV. C'est le dimanche pour tirer les signes. Lève ta main gauche. Quand tu commences à dire J'ai ou je? Salut tout le monde à la maison. On a pris un petit deux semaines off, question d'avoir une vie. Et là, on est de retour avec vous autres et très content. Trois boys que j'adore. Il y en a qui sont déjà venus et j'en ai un nouveau. On va le savoir c'est qui en est. On fait du bruit à la maison, tout le monde, même dans les loges. Dom Leonard's back in the house. Nick Lavoie's back. And Mike P. Yo! Mike P on the mic. Oui, yeah, that's content it. D'être ici. Ouais, fait que ça a l'air que t'es allé chercher ton team. Tu es où? T'es allé chercher au centre d'achat? Ben pour les gens. You want me to start? All right. Go for it, bro. Là, pour les gens qui viennent du coin, ils le savent, on est tout au bar, le plan de match, puis on a eu le goût d'un café parce que Dave est en retard pour faire changement. Ouais, fait que, on est dans PX et Blanger, c'est un quartier un peu. C'est le quartier comme le ghetto de. Un peu ghetto! Fait qu'on demande à la barmaid. On demande à la barmaid, y a-tu un café pas loin? Elle dit, ah, y a un Tim Hortons juste à côté. Puis là, y a un gars dans le bar qui fait, non, allez dans le centre d'achat, y en a un Tim Hortons dans le centre d'achat. OK. Et on fait une demi-heure de marche. Dans le centre d'achat. Tout ça pour finir au Tim Hortons de la station service. Puis là, la fille, elle fait, ça dérange-tu si je fais ton thé dans le micro-ondes? C'est comme. Hey, tu sois bien essentiel dans le site comme de Tim. Brouiller de l'eau. Elle a pas d'eau bouillante. Elle ne peut pas brouiller de l'eau. Mais anyway. Quelqu'un a mécané. On a vu qu'il y avait un kiosque d'information, mais c'était pas un kiosque d'information dans le centre d'achat. C'est un kiosque pour faire la rénovation. Quelqu'un qui a dit, ça tente de faire une rénovation? And we're like, fuck, bro, I don't know. And un gars qui est like, non, on cherche le Tim Hortons. Et un gars qui est like, hey, bro, t'as le même accent qu'un humoriste. And I'm like, qui? He's like, Mike Patterson. I'm like, c'est qui ça, Mike Patterson? Oh, Mike Patterson, c'est un anglophone qui savent même pas comment de parler en français. Il sait pas comment de parler le français. And I'm like, c'est moi, Mike Patterson. And le gars, déjoué par une question. I'm like, whoa, I'm like, vraiment Hollywood style. Il est sorti. On était sur notre chemin pour aller au Tim Hortons après avoir, comme ce qu'on pensait, clos la discussion sur le fait que genre, c'est beau, tu m'as reconnu, on a eu un petit moment, on a eu du fun, là, faut que je vive ma vie, là. Ouais. Puis là, il a juste fait comme, hey, ben Mike, t'as-tu des affaires qui s'en viennent, t'as-tu des shows, t'as-tu des... J'ai dit que je fais maintenant un podcast avec Dave Godette. Oh, le gars qui était arrêté à l'États-Unis border, on trip sur le humor, so... Qu'est-ce que... Une chance, j'ai pas volé le show avec lui, on s'en a fait arrêter là. Ouais. Faire un crime avec Mike Patterson, juste faire arrêter ma police. Ah, moi, je paierais juste pour juste l'avoir patiné. Mais là, c'est quoi? C'est de la pêche chez le frère de le Mike Dave Goodell. Oh,
on parlait le char de le mid de le Dave, puis ok, ben allez-y, c'est mon il va juste abandonner. Il comprit tout. Il comprit tout. Bon, ben merci d'être là, les boys, avec vos cafés. Ouais. Hey, Léo, t'es arrivé, t'es accident à 10, puis en plus, c'est quoi, t'es allé faire chercher un BBC? J'aime chercher un booster, j'aime chercher un booster. J'aime chercher un booster. Non, mais je m'aime trop bonne, même, là, tu sais, c'est comme, check son booster. C'est dans les loges, on fait qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on a. Ah ouais. Là, je suis bien, tu sais, je peux m'accoter. Ouais. Pis moi, je parle comme faux. Ça peut même pas qu'on veut se parler, mais on se regarde dans les yeux. C'est ma façon de cruiser, je pense, je sais pas. Ça marche. Ben, oui, que t'as bien des beaux yeux, Léo. Ben oui. Ouais, ben oui. Un. Deux. Mais ouais, il y avait un accident sur la 10, je t'ai pogné dans le trafic, puis. C'est ça. Je me v'là, mais je suis pas en retard, ça vient de commencer. Ah ouais, exactement. C'est ça, je suis juste pas préparé. Il n'y a rien à préparer, man. C'est ça que je me suis dit. Ouais, c'est exactement ça, mais merci d'être là pour la deuxième fois. Ça me fait plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. Que vous autres, hier soir, en show, qu'est-ce que vous avez fait hier? Hier, j'ai écouté la game de hockey. Ben, ah, relax. Chanceux. Ouais. Moi, je suis en show. Comme ça, c'est vrai. Hier, j'étais à Ormstown. Okay. Ormstown! Ouh, il y a beaucoup de vaches là-bas! J'étais en train de fumer une clope dehors, il y a un gars qui s'en vient me voir, il dit « T'es chanceux, Anesti, parce que j'ai arrêté de boire des shots, parce que quand je bois des shots, je suis fatigué en tabarnak. » C'est ça qu'il a dit? Il est venu me dire « Il était fatiguant, le gars, là. Trop sous pour se faire amener. » Moi, j'ai joué en Rimouski, et le monde, normalement, quand il donne-moi un shot, je suis 45 ans, je suis pas capable de faire des shooters, j'ai un truc. Comme s'il y a quelqu'un jeune comme Nick Lavoie, je dis hey, yeah, drink that, drink it, drink it, drink it. Je donne à un jeune humoriste. Ou je fais blam, je mets sur la terre et après ça, je prends semblant que je bois. Et le gars a fucking. Il grab mon bras et comme like, hey, tu vas mettre ça sur la terre? Tu bois ça? I'm like, je suis 45 ans, je suis pas capable, je suis plus capable de boire des shooters. Le gars est comme like, je suis 52. And I'm like, oh man, hey, j'ai pas buvé, mais. T'as de l'air de sonner. Oh my God, ça c'est... Man. Mais tu bois pas de bien non plus, ton mec, quand tu bois... Non, mais je conduis, man. Là, je bois chez nous. J'ai un frigo de vin. J'ai beaucoup de bière chez nous. De, you know, la bière Hochelag. Connais-tu la bière Hochelag? C'est freaking bon. Ça goûte vieux. Ça goûte vieux et c'est cheap. Ça goûte les caries. Ça goûte les rêves brisés. Ça goûte des caries. Oh my God, Hochelag. Mais m'attends donné un truc. Non, mais je conduis toujours et je suis pas capable. Je suis plus capable de boire et je suis pas comme toi, you know. Non. Je suis toujours sous. Moi, c'est moi l'accident. Mais tiré pour aller chercher ma septième. Un truc, Mike, c'est tu prends le shooter, tu mets dans ta bouche, puis tu chases avec de la bière. Mais à la place de chasser, tu repousses. Oh! Là, that's cool! Tu peux pas te faire pogner. Tu scrapes une bière, mais c'est tout le temps gratis. Oh, ça, c'est cool, parce que moi, j'ai toujours la bière gratuite. Ça, c'est une des affaires que Mike Patterson est toujours... Tout le monde donne-moi des bières. Tout le monde... Même au le centre d'achat, le gars, hey, tu veux une bière? Mike, non, veux-tu des rénovations? Juste à cause de ça, le prochain show qu'on va faire ensemble, ce que je vais faire ça, tu montes sur la scène une bière, je vais te payer un shot de cette oh my année. God! Juste pour le voir, essayer de le faire pour la première fois, cracher un shot dans la bière. Juste pour voir la fluidité. Faut qu'il y ait une bière, un verre, une draft, puis tiens, moi, il y a un Blue Curaçao. Un Blue Curaçao. Sa bière, elle vient, ben. Saint-Patrick. Mais anyway, hier soir, j'étais au le Plaza Hotel Centreville Ballroom pour lever des fonds pour des riches. And, je comprends pas. I'm like, on veut lever des fonds, t'es tout dans les tuxedos. You guys are losers. C'était un spectacle anglophone. Après ça, j'allais au le Plaza Centreville Hotel Ballroom et en aller à Laval sur Curie LaBelle pour des autres riches at the Embassy Plaza Convention Center. Et j'ai fait 45 minutes. Mon carrière en anglais, ça marche encore. C'est vraiment cool. J'ai fait deux 45 dans une soirée. C'était vraiment cool. Fait que toi, un bon samedi. Là. C'est vraiment... Comme des rich, man. Avec des rich. Avec des... C'est des Anglais qui sont riches, hein? C'est ça que tu me dis. Les Anglais qui sont riches. C'est juste les Anglais. Comme moi, je suis riche. Je porte un casque gratuit. Moi, le plus drôle, c'est même quand on joue en anglais, quand je fais les comedy clubs, n'importe où, même en Ontario, des fois, il y a des posters, mais tu vois les faces de Mike Patterson.
Écoute, t'es comme Zach Anafagahis, là, tu sais, l'acteur. What? Ouais, il était clean cut, là. Mais mon gars, il avait un baby face comme toi. And what happened? J'avais un bébé. quand j'ai fait le bébé, j'ai juste commencé de pousser ça. Après ça, j'ai poigné un rôle sur un film. Ils ont rasé ma face. J'ai refait le barbe. Ça fait un beau, ce rôle-là. Ça fait un autre. Il y avait 42. Non, mais j'aime ça d'avoir un barbe. J'avais un quand j'étais jeune, mais tout le monde était comme... C'est ça. Ouais, non. Non, quand j'étais comme 19 ans, j'avais un gros barbe. And tout le monde a dit, rase ça. Mais c'est maintenant c'est le style. And j'ai juste à faire des spectacles en Suisse. And je ressemble un Canadien. Si tu vois un Canadien, c'est ça que tu veux voir. You know, un gars avec un gros barbe. I'm like, oh, on va couper le bois. We're going to do this. On va boire le bière. C'est notre image à l'international. C'est ça. C'est moi qui dis, oui, moi, je suis le gars qui représente le Canada. J'ai fait des spectacles en français. Comme, like, oh, t'es un Québécois. Tu parles ton accent. I'm like, oui, ça, c'est l'accent québécois. Ça, c'est comment je parle. Moi, j'ai juste hâte d'avoir sur l'argent quand on va changer la face de la reine sur le 25-7. Mais on voit Mike Patterson, là, au bord. Oh, my God. T'as le canard pis Mike Patterson. Here we go, bro. Funny money, man. Funny, funny money. Funny money. Funny hey, money. C'est une autre affaire. Je vais juste parler de ça. Connais-tu que avec Nick, avec Dave, je parle seulement en anglais. Je jamais parle à eux autres en français. C'est weird parce que eux autres parlent super bien. Ça dérange-tu, Dominic Leonard, si on juste... Je vais juste dire quelque chose à mes collègues en anglais juste for a second. Peu importe la langue. No problem. But do you find it's just like a stupid loser thing to juggle apples? Like, I just find apple juggling is just stupid. Well, I think oranges is the worst. I think it's a hack, exactly. Like, especially it's like, are you a juggler? To start a career in entertainment and humor. Anyway, on just parle de les Canadiens. Sorry, but they parler de Bill Burr. On dirait comme c'est vraiment le seul nom que tu connais en anglais. C'est ça qu'il est capable de dire. Ouais. Parce que ça sonne même Bill Burr. C'est lui qui met trop de B partout. J'adore ça. Mais je suis comme, like, si on peut faire comme un podcast tout en anglais, sauf que toi. Parce que je suis certain que tu ne parles même pas un mot d'anglais. J'ai trois mots. Hamburger, toaster, synthétiseur. Sanitizer! Synthétiseur! Ça, c'est beau! Mais toaster, c'est fort, bro. Toaster, c'est fort. Ouais, c'est, mais c'est une triade. Hein, c'est une triade. Le troisième mot, c'est en français à la maison, c'est ça. Là, c'est voulu. Yo, c'est, j'ai appris ça dans mes trois heures de soir à l'école. Fait quand tu fais couper sa route, comment tu sacs en anglais? Je me fais jamais couper sa route, moi. Non? Mais quand t'es en Ormstown, Ontario, est-ce qu'il y a du monde qui parle à toi en anglais? Quand je vais où? À Ormstown, Ontario. Ormstown? Je parle en anglais. Non, tu ne parles jamais. Tout le monde. Ben, moi, je parle quand je suis pogné pour parler. Là. Okay. Mettons, je suis en voyage, je suis capable de manger. Une fois, j'étais comme avec Isabelle. Elle était comme quelqu'un qui conduit pour comme 100 places. Mais j'ai engagé pour conduire moi à Cornwall. Ouais, je sais de qui tu parles, ouais. Et on a arrêté à un Tim Hortons. Et elle a courié parce qu'elle était vraiment excitée d'essayer le tarte au Nutella. And c'est un tarte au Nutella. Elle était dans la ligne avant moi parce qu'elle a courié pour chercher la tarte. À cause de la même manière qu'elle conduit. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'étais dans le queue, the line, le line-up. J'étais dans le line-up. Le line-up, ça en fait. En arrière d'un vieil madame, et Isabelle a dit, Mike, comment je dis tarte en anglais? Mais et je juste dit pie. Et la madame était toute fucking scared of Mike Patterson parce que j'étais juste en arrière comme pie. Et la madame était comme, like, but anyway. I thought that was a good story. Okay. Une épaisse en anglais, tu dis ça comment? Ouais, une épaisse. Isabelle, c'est Isabelle. Isabelle en anglais. Comment tu dis ça, Pat? Mettons une épaisse, tu dis ça comment en anglais, elle est conne. Beige. En anglais,
tabarnak. Un con? Ouais, on non. Je sais quoi, mais j'ose même pas le dire. Je suis comme, c'est quoi le truc, là? C'est quoi qui va arriver, là? Je vais être puni, je vais être puni. Peu importe. On est rendu trop loin, Le gag, il marchera plus. Excuse-moi. Ah, c'est ma faute. Ben oui, toujours ta faute. Toujours ma faute. Toujours ta faute. Toujours. Hey, sinon, cette semaine, je sais pas, vous avez fort bien vu ça sur Facebook passé. Moi, j'aime ça, les petits buzz de 48 heures, comme ça se passe quand quelqu'un se plante, là. Tu sais, ben, P.O. Baudouin, vous avez vu ça? Avec le chauffeur de taxi. J'ai vu seulement la vidéo que toi et Mike Baudouin a faite. Okay. J'ai pas vu les autres affaires. Ouais. Cette vidéo. Ça, j'ai vu les réponses de toi et de Mike, puis j'ai vu les. Quels dans le fond, c'est juste d'autres qui ont vraiment passé le mot, là, d'abord. Avant de voir le... La vidéo originale de P.O. Baudouin. Okay. P.O., c'est quoi? C'est Paul Olivier? P.O., c'est quoi? Je sais pas. C'est Pierre, peut-être. Pierre-Olivier. Pierre-Olivier. C'est pas l'Olivier, c'est un nom bizarre. Ça. Ben, moi, avec m'appelait Pierre-Olivier, il m'appellerait P.O., là. Paysan d'Armstrong. Paysan Armstrong Baudouin. Cherche. Mais moi, juste le titre, c'est comme un influenceur. Ouais. Ça, là, quand ton titre, c'est influenceur, là. Tu te prends pas pour de la merde. Yeah! Tu sais, je le voudrais pas, moi, un influenceur. Pourquoi? Ben, c'est un influenceur. Ben, parce que pour influencer des gens, il faut que tu aies raison en tabarnak dans la vie, me semble. Tu sais, fait qu'à partir du moment, pareil comme si je disais je suis sage, la minute que tu dis que tu es sage, tu l'es plus. Tu sais, fait que. Un influenceur, c'est que quelqu'un a dit like, oh, j'ai arrêté de cocaïne. Come on, bro. Prends plus de cocaine. You know, quelqu'un qui influence de faire quelque chose. Oh, j'ai quitté de la gage. Oh, mais come on, bro. Je suis j'ai influencé de la gage un peu plus. You know, c'est un influenceur. Il a dit, il imite mon père. T'es qui pour être un influenceur? C'est, mais je le connais pas, P.O. Ah, là, il y a de l'air d'un gars bien, bien fin. Ah non, mais tout ça, c'est juste, c'est à matin, j'avais vu sur Instagram, il y avait une photo de son passeport et un billet d'avion. Puis il s'en est en voyage. Mais tu sais, toute la stunt, il disait qu'il avait perdu son portefeuille en voyage, le kit. Puis il ne pouvait pas aller chercher une autre carte à la banque, mais que c'est un passeport comme identité. Moi, je suis comme, qu'est-ce que c'était toute une estime d'affaires de bullshit, finalement. Je suis comme, je pensais à ça, puis je me disais, comme, Kim, si c'est pas un. Tu sais, parce qu'à la fin, il plug, tu sais, il ridiculise pas mal le Taxi Diamond. Ouais. Puis à la fin, il plug, ah, Uber. Je me suis quasiment dit, moi, pendant une seconde, genre, ça peut-tu être un stunt publicitaire pour Uber? Il aurait pu avouer que ça fait. Ça ouais, fait, tu connais ça, les influenceurs, comme ça. Ça fait la mousse que tu veux. Tu veux que ça fasse dans ouais, le sens que. Ouais, je comprends. Là, moi, des fois, je me disais, Mike et Jérémy sont-ils arrangés ensemble, tu sais, parce que ça mousse les carrières, tu sais. Mais, ouais. Tu comprends? Ça, c'est la théorie du complot. Que t'es un peu là-dedans. Je sais pas, là. Ça, je sais. Pas sûr que Uber. Non. Non, ça se fait tirer par les cheveux, je sais, mais dans le sens que je me dis. Il a tellement vanté les mérites d'Uber après, puis ça a tellement fait un gros buzz pendant 48 heures que tu peux quasiment te dire, genre, ben, puis, c'était tout ça qui était Diamond, voulu, a fait une mise en demeure contre lui? Ah, je sais pas, mais dans le sens que, tu sais, comme David dit, là, tu le vois, qu'il y a un stunt à l'aéroport, ben, pas un stunt, là, mais un story à l'aéroport qui s'en va en voyage, je veux dire, à un moment donné, dude, si t'avais pas d'argent à payer 8 piastres de taxi, comment t'as fait pour te booker un billet d'avion, je veux dire? Ben, ouais, beaucoup de 4 cadeaux Air Miles. Juste 8 piastres de taxi, on s'entend, t'embarques dedans, ça coûte 4 piastres. T'as rendu les lumières, t'es rendu à 5,5. Puis moi, marche, man. Moi, ce qui me fatigue là-dedans, c'est juste, genre... Ouais. Tu sais, surtout si tu le sais là, que t'as perdu ton portefeuille, tu l'as fait voler, peu importe, puis t'as juste une carte crédit prépayée. Mais attends, je sais pas, moi, Chris, ben, moi, tu demandes au moins choses, au taxi. Hey, by the way, j'ai juste ça. Pas devant le fait accompli, faire comment, ben Chris, tout le monde est de la merde. Tous les taxis, ça a un tap aussi. Tu peux faire ça, juste aller dans ton banque, dans ton téléphone, faire un boop, boop. Ouais. Ouais, c'est ça, avec Google Pay. Ouais, c'est ça, il est capable de tout filmer, mais il est pas capable de faire un PayPal avec son téléphone. J'espère qu'il influencera pas trop de monde. Non, mais c'est pas vrai. Ben, vous autres, vous avez comme des enfants, mais tu sais, la nouvelle génération, avec l'Internet et tout. Vous autres, vos enfants deviennent influenceurs. Non, moi, ça texte, as-tu 20$? Oui, poup, poup, ça ça, c'est l'influence. Tu as donné un carte prépayée pour toi? Non, je fais des virements, tout le temps. Ben, du coup, j'ai pas de joke là-dessus, mais c'est ça. Moi, elles savent pas que c'est l'argent. C'est comme si elles cherchent un tournis. Elles me disent, donne-moi ça, mets pas ça dans ta bouche. Comment elle s'appelle, ta blonde? Ma blonde, c'est Monica. Mais Monica. Monica, tu checkeras dans la couche, il y a 2$. Ouais, on va faire un autre. Si je suis un influenceur, elle va sortir 4$. Yeah. Ben, il y a un de mes chums, ça, à l'époque, quand t'es jeune et pauvre, là, moi, je suis juste rendu vieux. Et, son chien avait mangé 15$, puis il avait tout défait de sa merde pour sortir le 15$ de la merde pour payer son taxi. Le chien était dans le taxi. En tout cas. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai salué.
Oh my God. Mais toi, t'as-tu déjà. Ben, vu que tu comprends pas l'anglais, t'as jamais fait un show en anglais. Toi, t'en as déjà fait? Jamais essayé en anglais, non. Pourtant, je sais pas pourquoi, là, je devrais. Là. Ben, les pommes en anglais, ça se fait bien. Oh. La pomme en anglais va marcher. Ouais, ouais, ça, c'est ça qu'on parlait tantôt. C'est, ça, que j'ai, c'est ça qu'on a parlé. Toi, c'est les P en français. Moi, c'est les P en anglais. Fait que c'est apropos. 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 Mais voyons, jongler. Les gens qui vont mettre des H en avant des mots en anglais puis qui devraient pas, comme jamais, apple, tu fais comme non. T'as pas compris, il y a pas de H en avant. C'est pas en arabe, c'est en anglais. J'ai joué tellement beaucoup avec Dom Leonard. Il fait aussi un personnage de magie, ouais. C'est quoi? Domingo. Domingo! Ouais. Et moi aussi, je fais quelque chose de même. Mais anyway, j'ai fait un spectacle sur Saint-Laurent et j'avais quelqu'un de Los Angeles, un humoriste de Los Angeles qui est venu juste pour me voir, pour checker une soirée de humour en français. Et c'était Domingo qui a fait les bouteilles, tout ça. Il était comme, oh, what the fuck is this, bro? French comedy, il avait comme un chapeau. Tout ce qu'il pensait de French comedy, c'était ça. Et c'est vraiment Dominic, elle avait comme un chapeau arabique. Sacrément, fait que je suis barré à Los Angeles, moi. Oui, Hollywood, Hollywood Boulevard. Hollywood, appelle pas Hollywood, bro, c'est fini. Dominic. Hello, my name is Dom Leonard. I can do jongling of Parce qu'il est drôle en tabarnak, Domingo, là, c'est drôle. Non, j'adore Domingo. Yeah. Si, t'es insulté. Mais le gars de Hollywood ne comprend pas. Il n'a pas compris. Il n'est pas compris. Parce que Domingo, il est tout mêlé. Fait que lui, étant donné qu'il ne comprenait pas, il était sûr que j'étais vraiment tout mêlé ou. Non, il juste pensait que c'est drôle. OK, il faisait okay. juste penser. Il ne riait pas, mais il disait. Il riait de toi. OK, c'est rien ça. De moi, c'est ça. Yeah. I mean, bully. Bully. Il est un vrai bully, ce gars-là. Yeah. Depuis qu'il a l'intimidation, il a pris sa faute. C'est un spectateur qui ne comprenait pas ce que je disais. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est pissant, Esti. Ça, c'est un de mes numéros préférés. Ouais, ça doit faire, quoi, 100 fois, je le vois. Il dit, mais le nombre de fois que je joue avec toi, man, ça me pisse de rire à chaque Esti de fois, comment c'est juste épais. Ouais, comment il est mêlé. C'est le fun de jouer mêlé. C'est quoi ta ligne? C'est quoi? Hey, ça m'a coûté 100$. 125$, ça se fait tout seul. Je fais 8 minutes. Mais il y a un bout, par exemple, dans ce numéro-là où t'impressionnes vraiment le monde. Tu sais, t'es mêlé tout le long, mais à un moment donné, le monde fait comme « Oh, Ouais, ils sont fourrés pareil, pareil. C'est là que je dis 125$. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est quand tu te fous, qu'est-ce que tu veux fourrer. Ouais. Tu sais, quand lui-même, il fuck, et comme attends, tu sais, là, j'ai tout fuck à patate, là, c'est là, j'ai fait quoi. Mais c'est dur de jouer d'être mêlé. Admettons, quand je jongle avec les pommes, là, j'essaie de plus le faire. Là. Ouais. C'est plat, je suis tanné. Absolument. Puis, vraiment tanné. Combien de pommes tu penses de manger dans ta vie, mon gars? Toi, tu dois être en santé à crise. Moi, j'ai vu quelqu'un, ancien dicton en anglais, qui dit « An apple a day keep the doctors away ». Ouais, mais faut que tu vises comme du monde, par exemple. Je ne sais pas où on était, mais je pense Saint-Hyacinthe et quelqu'un a donné comme argent à Dom, comme des 20$. Quand, non, je ne fais pas les pommes. OK, je fais les pommes. c'est quand j'ai commencé en humour en français, j'ai vu quelqu'un faire un bully, donner du cash. Fais les pommes. Non. Fais les pommes. Je ne sais pas combien d'argent c'était. Une prise de pommes. C'était vraiment drôle pour moi de voir ça comme, I'm like, oh, what's this pom thing? J'espère que ça va être bon. Et c'était excellent. On jouait au. C'est là qu'il a appelé Los Angeles, il avait comme, non, viens voir ça. C'est payant. La semaine passée, j'ai mangé 3 oranges au bar. On jouait une soirée, je travaillais pas, on jouait au dé. Le jeu des dés, c'est facile. Je dis, je pogne 4-4, je vous paye une shot. Ou, tu sais, c'est des affaires dans ma main. Fait que j'ai dit, OK, si je pogne 5-5, je mange des pommes. 5-5. Fait qu'il a fallu que je mange des astuces de pommes dans le bar, si ça ne tentait pas. En tout cas, c'est une belle histoire. J'ai trouvé des pommes dans les bars, je trouve. J'ai mangé 3 pommes. Pour oranges. Le monde qui écoute ça, il fait jonglage et il mange des pommes en même temps. Et il est capable, c'est comme 45 minutes de pommes. 45 minutes de pommes, je mange ça. C'est ce qu'on appelle un closer dans le business. Un closer. T'as-tu une toune que tu gardes toujours pour ton number?
Avant, il y avait ce tourne-là qui jouait pendant que je mangeais. Master, je mets mon coat puis je vais faire un show. Star, c'est Careless Whisper. Quand j'ai commencé, j'avais plein de cues. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est trop compliqué parce que ça me mettait ses nerfs. Mais si le cue rentrait pas, là, ça me fuckait. Tu sais, Faxter, plus de cue. Walk in, walk out, fin. Puis moi, j'ai juste à capter un album en anglais et j'ai un cue pour faire comme chanter quelque chose. Et je demande à. And it goes a little something like this. Et le gars a pas porté le cue et j'ai dépassé comme 3 minutes dans mon album. Théo, est-ce que vous êtes là, Théo? Et tout le monde, tout le crowd, comme like, Théo, Théo. Et il sort pas. Il juste. Non, il était même pas dans la salle. Il était dans le. Il était avec Mike Ward dans le loge. Comme le loge. Il était dans le loge. Tout le monde, quelqu'un. Moi, j'ai fait des blagues et on a mis tout sur mon album parce que c'est drôle. Parce que le monde est comme, OK, je pense que le spectacle est fini. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Et on a mis 3 minutes là-dessus et vraiment embarrassé. Cet gars, il est comme, tu peux pas mettre ça sur ton album. I'm like, c'est drôle, là. T'es pas là. Et finalement, il dit, mais il est comme, oh, mon avocat va parler à ton avocat. I'm like, OK, mon avocat est juif. We're gonna be fine. J'ai pas peur. Sérieux, il a l'avocat parce que. Non, il n'est pas assez. Il est un sound man à un comedy club. Il n'a pas assez d'argent d'avoir un vrai non, avocat. Pourquoi qu'il a dit ça, par exemple? Parce que c'est embarrassant. C'est embarrassant. OK, son orgueil, il est à ce point-là. Son orgueil? What's an orgueil? Like an orangutan? Or a singe? No, no. What's orgueil? Oh, son ego? Yeah. Son ego était vraiment comme... Tu cherchais orgueil en anglais, tu as trouvé ego en français aussi. C'est bon. La même affaire? Ego? Well, ego. One you can eat, the other one is just a self-absorbed problem. Pas la gaufre, là. Ouais, c'est la gaufre! Mais il y a des techniciens de même qui sont hot, hein? Tu sais, que c'est grâce à eux autres que le show existe. C'est vrai, à quelque part, parce que s'ils pèsent sur mute, il n'y a plus rien qui sort. Il y en a que j'ai pas joué avec dans un an, et j'allais avec mon clé USB, et comme, like, Mike, j'ai déjà tout dans mon ordi, and, like, ils savent mon spectacle, ils savent toutes mes cues. Chez Maurice, quand tu vas chez Maurice, tout le temps, même tout. Ton walk-in, tabarnak, c'est mon vieux walk-in. Yeah, avec John. 2009, ouais, John, ouais. John, ouais. John, ah, j'adore John, parce que John, c'est un vrai anglo. Et quand j'ai commencé en français, c'est like, man, comment ça, tu joues pas? I'm like, je joue quand je joue ici, c'est bon, pousse pas, you know. He's like, no, but bro, c'est ça bon. Ça fait longtemps que je suis pas allé là, c'est qui est rendu là? Ben là, les soirées sont finies. Sont finies? Ouais? Finies. Ouais, en plus, je viens d'avoir un appel vendredi pour le bord de la maison, achetez pas de billets. Sur le point de vente, parce que je viens de m'appeler pour dire il faut annuler ton show, toutes les soirées sont annulées. Ah ouais? Ouais, au Maurice, ouais. C'est dommage. Ouais, t'as une place le fun, ça? Ouais, hein? Ouais. Ben, c'était la place, mais moi, je sais pas ce qui est arrivé. Mais je pense que c'est juste tous les jeunes. Il y a tellement d'options aujourd'hui. Je pense que Jesse Sheehy a ruiné le spectacle. Ouais, c'est pour tout ça qu'il a dit. Jesse Sheehy prend tout sur son dos à lui. C'est ouais. Jesse Kennedy? Ouais. L'histoire, il avait écrit. Là, ouais. Je pense que j'ai tué Saint-Laz, mais non. Non, peut-être, you know, to everything, turn. Ben moi, je pense que c'est Bizarion, man. Moi, je pense que c'est Alex Bizarion. Non, c'est lui. Il voulait que je plug son show, mais je le plug. Là. Son show est au 30 mars au Saint-Eustache au Patriot, mais ça se pourrait que le bar pogne en feu après. Oh, voilà, la réputation en Bizarion. Ouais, la réputation à Biz, c'est quoi? C'est le Saint-Cybe qui a pogné en feu? Saint-Cybe, il est allé à Sherbrooke. Ouais, au Magog. Le Magog a pogné en feu tout de suite après son show. Non! Ouais, le lendemain. C'est à cause de Biz, man. Le pyromane de l'humour. Il y a des mails. C'est parce qu'il y a un rouge, un gars orange, ce gars-là, Bizarion. Il est un orange. Il est comme un Ronald McDonald motherfucker. Peut-être c'est pas. Hyperactif, c'est un Ronald McDonald hyperactif. Ouais, non, mais c'est. Il rouge, peut-être le rougeur. What do you call that? Ugly. C'est ça. Il est un ugly, Bizarion. Et peut-être parce qu'il est assez rouge de même, peut-être le feu juste sort de ton corps, de son corps. Peut-être il a du power. Fucked up, Bizarion. Probablement. T'as dit, écoutez, we have to kill. Il faut qu'on tue Alex Bizarion. Cette semaine, à découverte, Alex Bizarion. Le volcan humain. Ça faut qu'on tue. Le phénomène. Un posse. Un humoriste dans un bar.
chaque soirée qu'il fait, ça pogne en feu. Mais c'est-tu le public ou le bar? Après l'annonce, revenons. Désolé, la cassette a pris en feu. Il y en a plus de preuves. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'as fait hier, man? T'as pas répondu, t'as demandé à tout le monde, mais toi, qu'est-ce que t'as fait hier? Moi, ouais, c'était ça, changement de sujet. T'avais l'air à savoir qu'est-ce que t'as fait, mais que tu voulais pas le dire. Ouais, c'est ça. C'est personnel. c'est du caca. Ben triste, c'est bon. Hein? Coucher tard et coûter cher. Non, fuck out. Non, coûter rien, ben tranquille, juste... Comment tu dis « big wank » in j'ai fait un gros masturbation. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Je suis capable de vivre avec ça. Netflix, je connaissais. Netflix, c'est un session de deux heures de masturbation. Là. Oh, ouais, moi, j'étais là. Écoutez, Orange is the New Black. Ah, attends, c'est quoi? C'est quoi ta montre? Ta montre qui calcule les pas. Puis t'as dit que... Ah, oui, c'est vrai. C'est une gag, Chris. C'est vrai. Oui, je la fais plus, celle-là. Mais c'est vrai. À un moment donné, j'avais une montre, j'ai eu ça de Stéphane, mon gars de son, right? Puis mon ancien coloc m'a acheté ça pour ma fête, un montre fossil. Tu sais, puis c'est Chris, c'est fucked up. Je reçois un message texte, ça vibre, ça va au chiffre, fait que numéro 1, c'est ouais. Stéphane, 2, Nick, tu sais. Ouais. Tous les boys, c'était tellement sharp, mais à un moment donné, ça calcule. Non, j'ai oublié ma montre en sortant de la douche. Tu l'as vendu pour voir, ça? Ouais, je l'ai vendu, c'est pour. C'est parce qu'elle cache mon tatou. C'est ça, cache mon tatou. Ouais. Mais non, c'est fait que là, ça calcule mes potes. Pour un moment donné, je suis lendemain une broche chez nous, OK? Et là, je check sur mon téléphone parce que le téléphone est associé avec la montre, puis je check, puis ça disait que j'avais marché 2,7 km dans la journée. Et là, j'étais comme. What the fuck? Mon 4,5, il est grand, mais pas grand comme 2,7 km. Ouais. Puis je capote, je suis comme, Chris, attends, tu sais, je me suis levé, j'ai sorti de mon lit, je suis allé pisser, je suis sur le divan, j'ai pas bougé du fucking divan. Je suis comme, comment j'ai pu, puis après ça, ça m'a cliqué. Chris, c'est vrai, je suis gaucher, moi, tabarnak dans la vie. Chris, lendemain de bras, c'est tellement pris de temps à venir, je me suis crossé pendant 2,7 km, mon gars, ça a calculé ma crossette. Fait qu'en show, je dis, Chris, ce soir, je vise le toit, gang. Je vise le toit. Fait que ça, c'est une... Quand tu rencontres une fille, elle se dit, ma maman. Elle te dit, c'était belle. Ah ouais, oh my God. Ma maman m'a dit, c'était belle. Tabarnak. La plus belle, 600 mètres. C'est une sortie pour l'autoroute, Steve, c'est pas le pire. We're talking about you know the blowjobs, you know what the mounts with the mounts. Blowjobs with the hand. Hand jobs with the mounts. Yeah. Mount job. A mount job. Ah, c'est pas l'épisode qui va passer à l'histoire. Ben non, c'est drôle. C'est ça aujourd'hui? Ouais. Ben Chris, la dernière fois, c'était Alex Paradis qui annonçait qu'il avait un bébé. T'en souviens que j'étais là? Sacrement. Ouais, ça, c'est toujours étopé, ça. C'était... Il y a un bébé? Ouais. What? Chris, t'as pas écouté le podcast? Non, j'ai pas écouté. C'est un hit, mon gars. Tout le monde, ici, on était juste tout sur le cul. Tu sais, c'était la première épisode en plus. Malaise après malaise. Ah, écoute, ça avait pas... Moi, mon chat, il venait juste de mourir. What? Ouais, c'était moi, toi, Pascal Cameron, puis Paradis. Mais Paradis, il t'a réchauffé un peu. Puis là, Pascal Cameron, il dit « Hey, ben, tu sais, que ça a parlé, vas-tu l'annoncer un moment donné? » Alex Paradis, « Oh non, 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 je peux pas en parler, je peux pas en parler. » Ma blonde, je sais pas. J'ai comme... Ma blonde, je sais pas. Non! Fait que là, je suis comme, mais pas en pouce, t'en veux pas. Il est comme, OK, ben, je vais le dire d'abord. Je vais être papa. Puis là, je suis comme, Chris, on l'a même pas tordu de bras, là. Ouais. Je suis comme, pas en pouce, t'en veux pas, c'est correct. Là. Il est comme, OK, je vais le faire. Je suis comme, calice. Man, il y avait du monde ici. On était juste tout sur le cul, mais comme en mode. Il était pas capable d'être content. C'est ça qui était. Ouais. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que sa famille était pas au courant. Ouais, après six mois. Après six mois qu'il était enceinte. Mais. C'est vraiment avec sa GF, sa blonde? Non, c'était pas avec sa GF, c'était son ex. Oh my God! Puis, oh my God! Aucune idée de ça. Oh my goodness! Les roues sont l'enfer. Les roues, ils juste fait le feu partout. We gotta fucking get Alex Paradis aussi. Non, the roue squad. Il y en a un qui fait le feu, l'autre qui fait le fret. Ça, c'est... Non, mais ça a l'air de super bien aller, man. Et ça a l'air une fois que je check ça sur Facebook, ça va bien ses affaires, tout, la nouvelle vie de père. Je pense à le calmer aussi. Là, je pense que c'est ça qui arrive. Là, surtout quand je te regarde, ça a l'air marcher en Christ. Moi, là, quand t'as un bébé, it's crazy. You know, la vie change. You know, mais avoir un bébé, Chris, quand même, à 44 ans, là, tu l'as eu? Yeah. C'est fucking fucked up, ça. Non, c'est pas grave. Ma femme est plus jeune que moi. 43.
43. Non, mais à quel âge, quoi? 37, 38, t'as fait? Quelque chose de quand même. Déjà, d'être enceinte à cet âge-là, c'est... Ouais, c'est ça. Ça peut, être dangereux. On fait du yoga. All right. C'était bon. Hey, j'ai massé le vagin. And, so... J'ai massé le vagin comme le chouquet avant de le manger. C'est si tu masses le vagin, c'est facile de sortir le bruit. Non, mais à un moment donné, on évolue aussi. Tu sais, v'là 100 ans, on mourrait à 37. Exactement. Personne qui mourir en enceinte anymore. Tu préfères des bébés jusqu'à comme 45, quelque chose de même. C'est pas un gros affaire. Et c'est mieux parce que maintenant, je suis riche. And, avec avant, les allocations familiales. Exactement. Avant, ça va être vraiment difficile d'avoir un bébé si j'avais pas assez d'argent d'aller au IKEA chaque semaine. Mais maintenant, on peut aller au IKEA chaque semaine. C'est vraiment cool. Tu es là pour le bébé ou pour ta femme? Les deux. Ouais, c'est ça. On mange des meatballs. Non, mais on allait au IKEA. Au IKEA, je dis, chérie, tu vas manger deux gros sans le meatball aujourd'hui. J'adore. Il est bon, man. Ses imitations, il fait fucking c'est bon, man. Mike Bourdouin aussi fait une bonne imitation de moi. Et I'm like, stop, arrête. Parce que moi, je commence de faire ça. Si le monde fait des imitations de moi je m'imite moi qui imite. J'imite moi qui fait Nick Lavoie ou Mike Bourdouin sur la scène. I'm like, moi, je parle pas de même. Je parle pas comme ça. Pourquoi je parle comme. Et je parle juste comme l'imitation de moi. Ouais. C'est mess. Stop. That's where your ego t'es gauf. Yeah, my ego c'est gauf. Il a embarqué le fait. Non, je le parle pas comme ça. Exact, je suis tout un gauf freak. Si les gars ils continuent à m'imiter comme ça, j'ai plus la carrière. Moi, je fais plus de bébés. Je parle même pas comme ça, là. Qu'est-ce que c'est vraiment? C'est pas vrai, ça. C'est pas comment je parle. Comme Nick, quand Nick il fait une bastard version de moi. Ça, c'est pas comment je parle. Tabernouche. Dans le fond, que tu pourrais faire toutes les invités. Tu fais juste toutes les invités. Je pourrais le faire le Mike Patterson. Je pourrais faire le bébé le Mike Patterson. Et on a des voisins. Bro, tabarnak. Chris de calice, man. Chris sorti hier, coûté 45$, juste rentré dans le bar, man. J'ai dit, pourquoi elle n'a même pas cover guest list? Il dit, c'est ton bill la semaine passée. Tabarnak. Pas moyen d'aller au plan de match tranquille. Là, tu faisais Mike Ward. Donc, quand il y a un broski, c'est moi. C'est juste ça. Moi, c'est Mike, c'est la différence. Tu sais. Oui, tout le temps, les imitateurs qui m'imitent, là, qu'est-ce que je trouve qu'ils m'ont pas? De l'enfer. Moi, mon problème, c'est. Ben, pas mon problème. Didier Lambert, je trouve qu'on a un peu le même delivery. Ouais. Quand il joue avant moi, j'embarque, puis on dirait que je slide dans sa trace. Ouais, ben, comme il dit, c'est on dit, tu fais un Didier Lambert qui parle comme toi ou. Il disait ça. Ouais, mais il dit, des fois, il dit en bas sur la scène, puis il dit, il devient un peu comme une caricature de. De lui-même. Ouais, il parle comme. Moi, ça? Non. Lui. Disait, ok, c'est ça. Je suis dans le sujet. Tabarnak, j'ai eu peur. Parfait. Non. Tu dis Lambert, toute mon carrière, c'est un caricature de Dominic Leonard. Il va être sur la scène dans un chapeau arabique en faire le magie avec des. Arabique? Un chapeau arabique. Chapeau arabique. C'est quoi ton chapeau de Domingo? Un genre de turban mou. Un chapeau. Un chapeau arabique, ça, c'est. Ah, d'arabe. Un chapeau d'arabe. D'accord, yes. Comme le cube arabique, là. C'est que tu comprends pas français. On va mettre des sous-titres pour les gens à la maison. C'est comme un chapeau arabique. Le premier podcast est sous-titré sur les internets. C'est pour ça qu'il dit French comedy est so easy. Personne ne comprend rien. Hey, je vais faire mon spectacle à Juste pour rire à Place des Arts. French comedy is easy. Deux nuits à Juste pour rire. They gave me deux nuits. And le show de minuit de minuit. And they're like, c'est quoi le titre? French comedy is easy at freaking Juste pour rire. And they're like, est-ce que vous êtes sûr que ça c'est le titre de ton spectacle? I'm like, yeah, bro, ça c'est le spectacle. Ça c'est tout ce que je fais. Tu fais quoi, 1h30 ou tu fais 15 minutes? Un heure. C'est assez, 1 heure. Yeah. That's an hour. Mike, ça y prendrait 2 entraques dans son heure, juste pour qu'on s'en remette un peu une fois de temps en temps. Ça prendrait des profs pour mettre l'autre bord. This guy. Juste de virer les prompteurs pour qu'on soit capable de suivre.
Mike, quand il parle dans son show, c'est vrai qu'il y a des pop-up, tu sais, comme dans les. Faut t'effacer des B. Faut faire le B, le pop-up. Ah non, je le vois dans ma tête. Fait que là, j'ai mis ma musique, mais avec les USB B. Je vais voir le gars de ça, j'ai dit, je vais prendre le Q sur le USB B. Mon avocat, il est juif. J'en compte tout le Q de toi dans mon ordinateur. So, dans le fond, c'est toi qui vas faire sa première partie. Tu vas pas rien comprendre. Moi, j'explique à l'entrée. Funny, bro. That'd be funny. Pas no. Ça pour qu'il fasse un 5 minutes. Mais backstage, ah. Mais on sait pas. C'est toi qui t'arrives. Mais c'est lui qui parle tout le long. Mais t'es juste là sur la scène. C'est comme un genre de lip sync de toi-même. Wow. Mais c'est lui qui le fait. OK, mesdames et messieurs. C'est Mike Patterson. Exact. C'est trop Mike Patterson. C'est trop de Mike Patterson. Si on fait comme 5 minutes de Mike Patterson, 1 heure de Mike Patterson, c'est trop Mike Patterson. Show, il l'a dit, là, 60 minutes, c'est beaucoup trop. C'est après, quand t'animes, admettons, après, tu viens, puis tu dis, là, qu'est-ce que vous voulez dire, Mike? Quand j'animais à cette Thérèse, il était venu faire son show d'une heure, il avait fait son show, puis je l'avais imité avant, puis est-ce que vous êtes le prepper, le Mike Patterson? Puis, parce qu'il va le parler comme ça tout le long, si vous comprenez pas ce que moi j'ai dit là, vous comprenez pas lui qu'il va le dire. Et là, tout le monde est parti. Le monde a aimé ça! Mais à la fin, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à la fin du show, il fait « Est-ce que vous, vous l'aimez moi? » J'étais crampé. « OK, moi, je vais continuer 10 minutes, d'accord? C'est correct avec vous? » Ça, c'est quelque chose que je dis chaque spectacle. « Est-ce que ça vous aimez moi? Do you like me? » Et j'ai poigné ça de Superstars of Wrestling un samedi matin. Il y avait quelqu'un, Hulk Hogan, allé sur le Superstars of Wrestling et dit « Moi, j'ai un ami, bro. J'ai un nouveau ami. Je vais inviter mon nouveau ami, c'est le Honky Tonk Man. » Et le Honky Tonk Man, c'est comme un good Elvis. Comme like, « Why? Can I see Honky Tonk? » He's like, « I got a question for you. Do you like me? » Si oui, juste appelle ce numéro 1900 something 1900 et ça vaut que tu payes comme 2$ pour dire non, je n'aime pas ou oui, je l'aime. Et la semaine prochaine, c'était pas Hulk Hogan qui a sorti. C'était le résultat de la poll et c'était Jake the Snake Roberts. C'était comme like Honky Tonk Man. Nobody likes you. Et comme no! And ça a changé ma vie. Et maintenant, chaque spectacle que je fais, je juste toujours dis « Est-ce que vous aimez moi? » C'est comme hey, « J'ai une question. Est-ce que tu aimes moi? » C'est important. C'est important, man. Le plus drôle, c'est que je comprends même pas quand il l'a dit. Ben, c'est ça. Je vais te le prendre dans la... Il a volé la joke à Honky Tonk Man. C'est ça. Gad Elmaleh, c'est pas un Gad Elmaleh de la lutte. Dans le fond, toutes ces jokes, c'est Hulk Hogan qui a fait la mise en scène. C'est ça, c'est moi. Les textes de Bushwhackers. Coco Beware. Coco Beware. Junkyard Dark. Ça, c'est mes années de lutte quand même. J'étais jeune. C'est une bonne année de lutte, ça. C'est vraiment... longtemps, pareil. Ça 30 ans, peut-être. Coco, Ultimate Warrior, tout. Ouais. Puis l'autre, c'est quoi? Brett the Barber? Brett the Hitman Hart? Non, Brutus the Barber Beefcake. Brutus the fucking Barber Beefcake. Avec les gros ciseaux. Est-ce que des bêtises? Il coupait les cheveux avant que c'est gros ciseaux. Yeah, man. C'était bon. Et George Animal Steel. Yeah, c'est le casse-croûte. Wow. Il mangeait le coin. Yeah. Il mangeait le fond dans le coin quand il gagnait. Il défaisait le coin, puis il y a du fond, puis il mangeait. Il mangeait le fond. En ce moment, il parle de la lutte dans le temps. Toi, si tu passes partout, là, t'étais encore trop. Toi, t'étais, mais je suis même pas sûr que t'étais au monde. T'as quel âge? Moi, j'ai 34. T'as 34, 4. OK. Ouais, George the Animal Steel était comme un singe ou quelque chose. Il est comme quelqu'un comme un animal. Et durant le match, tout qu'il voulait faire, c'est d'enlever le turnbuckle et manger le foam en dedans. Et la minute que tu fais comme, like, hey, we're having a match here, il va juste péter parce qu'il était un vrai animal. Et vraiment, tout qu'il voulait, c'est juste manger le foam. C'est vraiment... Ça faisait de la bonne télé à l'époque. Ouais, 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 c'était vraiment. Yo, il y avait à peu près ça. Il y avait à peu près ça, des pas de poils dans le dos à grandeur, t'as rasé, il y avait la langue bleue.
Puis là, son coach, non, faut-tu te battre, faut-tu te battre. Puis là, il mangeait le coin, puis là, l'autre, il arrivait dans le dos. Puis il se défendait comme s'il voulait, comme si l'autre voulait voler son casse-croûte. Ah, des belles années, ça. Moi, je voulais toujours faire comme un sketch. Tu sais, comme tu connais du jello wrestling, quand les females sont dans le jello et attaquent dans des bikinis. Mais il y a quelqu'un. Il attaque dans les bikinis. Quelqu'un dans. Il bat, il lutte dans le jello. Mais si on avait un madame qui est un sans-abri, elle est vraiment. Tout qu'elle veut, c'est juste manger le jello. Le jello. Et quelqu'un est dans le. Comme un gars, un jello. C'est un blanc de The Animals. C'est vrai. C'est volé de la George The Animal Steel. Toutes mes blagues sont volées de la lutte. Oh my God, I'm a total guy. Who's guy in Malay? The Arabic French Arabic comedian. We did the apples too, but. But him, he went to Los Angeles. That's the thing. He did. Yeah. Yeah, he did. Parfait. Parfait. Avez-vous des questions? Parfait. Le plus pire episode ever of Les Loges. Hey, mais là, j'ai vu ça. Attends, c'est comme sur Facebook. Là, j'ai vu. T'as une vidéo de promo, man. Il était carrément. Fuck, ouais. Je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas vu si c'était une vidéo de promo. Que j'ai pas de l'air d'un noir dessus. Ouais, c'est ça. Le poster, c'est partagé. Un photo shoot. Mais dans la merde, là, mon gars, tu vois les photos, mais deux autres, quand. Quand tout le monde avait comme vlog. Non, non, ans, c'est là. Cet été, si. Cet été, mais quel, c'était parce bronzé. Moi, je viens brun, qu'est-ce que je te dis? Je mets pas de crème, puis je viens brun, moi, ça prend. avec mes cheveux longs, je suis à côté. Puis là, si j'ai l'air. Ben, j'ai l'air. Non, cubain, man, t'avais l'air fucking cubain. Là, les cubains, là, ça, c'est comme je me reconnais pas. Non, mais il est bon, les vidéos promo qui ont sorti. Ouais. Non, PPS, ils font de bonnes jobs pour moi, là, ça va bien avec eux autres, je suis bien content. Fait que là, vous commencez à faire du rodage de ton show, là? Qu'est-ce qui se passe? On commence à le montrer. Je parle de ça. La stratégie avec moi est difficile parce que moi, je suis pas un gars de réseaux sociaux. Je fais pas de vidéos. J'aime pas ça. J'écris pas ce que je mange. Je mange pas. Fait que, c'est bien dit. Tu sais, les réseaux sociaux, j'aime pas ça. Fait que, la technique, c'est comment qu'on fait pour faire découvrir Dominique Léonard, tu sais, au monde. Fait que là, je sais pas, là. Mais d'après moi, on va faire plein de petites. Ben, on va faire du rodage. Ça fait 25 ans que je fais du rodage. Tu sais, on s'entend que ça va être. C'est pas mal rodé, là, tu sais. Mais je pense qu'on a un plan pour lancer ça dans des petites salles pour après ça amener ça plus haut. Ouais. Je pense que c'est toujours le. C'est des wimps qui disent ah, oh, c'est un rodage. C'est un spectacle. C'est ton spectacle. Ouais, c'est pas un rodage. You know? Ils sont des. Ils sont par les humoristes qui disent ah, oh, je suis en rodage. Non. Juste fais ton spectacle. All is branding. You're a wimp. En anglais. What? All is branding. C'est all juste... is branding. C'est ça. All is branding. C'est juste, il faut être branding. Moi, un vétéran comme Dominic Leonard, un vétéran comme Mike Patterson, on fait pas les rodages. On fait juste les loges. We do not do rodages, on fait des spectacles. Non, mais je comprends que tu fais un show à succès, t'as vendu 300 000 billets, là, t'en pars un autre. OK, là, tu peux faire du rodage, checker tes affaires, là. Mais moi, si je pars un show qui s'appelle rodage, je trouve que j'ai du Martin Matin did. Tu connais Martin Matin? Il est un humoriste. Max Martin. Martin Matt. Ah, oh, tabarnak, t'es à loin. Il a fait comme plein de rodages à Théâtre Saint-Denis, mais il n'a pas dit c'est des rodages. C'est comme c'est des nouveaux blagues, you know. C'est un record de matin. Tu sais, quand tu fais. Tu sais, il venait dans le live, j'ai même vu un show il y a 3 ans. Je pense que cet humoriste-là était en rodage, puis son show est toujours en rodage. Je suis comme, ça fait 3 ans, t'es dans des salles en plus. Yeah, man. C'est un rodage, un number. Tu sais, quand on fait des 8-10 minutes, quand on rodage un number. Ouais, quand tu allais au comme plan of match ou quelque chose. Ouais, ça, c'est du rodage. C'est un rodage. Site, on essaye une petite flash. Tu l'annonces. Ça passe ou ça cause. Tu l'annonces pas. Ben, moi, je l'écris sur mon chandail avec un néon. Ça blinque. Rodage. C'est comme une opportunité. Les billets sont pas chers. Tu sais, c'est du branding. Ouais. Dedans aussi, là, mais... C'est clair. Mais toi, après 25 ans de rodage, ça fait quoi, 100 piastres le billet? Oui, il est temps qu'il passe go, là. Non, ben, ça s'en vient, là, dans, je sais pas, 2-3 ans, ouais, de quoi qu'il va se passer, là. Mais, là, faut que je commence à me laver, puis tout ça, là. Il faut qu'il prenne un douche. Me faire un look. Ben, tu sais, je sais pas. T'sais, à un moment donné, ça devient comme ta job, puis c'est plus... Moi, c'est pas un rêve, là, je veux pas être une vedette dans la vie. Moi, j'ai...
c'est pas prétentieux, mais moi, j'ai réussi dans la vie. Là, je fais des shows depuis toujours. Je gagne ma vie juste avec des shows. Je suis hyper content avec ça. Là, t'as des kids déjà? J'ai quoi? T'as des kids? J'ai des kids. J'ai des kids. Des pas enfants. De carte de crédit. J'ai entendu que t'as des crédits. Tu fais des virements, gros. Tu fais des virements. Non, non, j'ai des kids. Non, non, mais tu sais, peut-être que c'est un défaut. Moi, j'ai pas d'objectif dans la vie. Tu sais, moi, demain, je m'en fous. Hier, ben c'était le fun. Tu sais, aujourd'hui, il faut que j'essaie d'être content. J'ai pas... c'est peut-être un de mes défauts. Pas d'objectif. Tu sais, c'est pas un rêve, moi. C'est pas un rêve. Non, je trouve que c'est plus peut-être une sécurité mentale. Ouais, pour moi. Ouais, exactement. C'est plus une sécurité. Parce que le bon, je pense aussi que la seconde, once you have a kid, tu sais, il y a quelque chose, je pense aussi, que ça arrive où tu deviens tellement comme, ouais, que je fais ce que j'aime, là, mais. Ouais. On dirait que parce que la déception peut-être a l'air trop grand. Tu sais, moi, je suis persévérant que le tabarnak, moi, je sais pas. Moi, je suis persévérant, moi aussi, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, moi, c'est comme... Moi, quand je commençais de faire humour et entertainment, je veux juste faire... juste payer mon loyer avec ça. Ça, ouais. C'est mon goal. Ça, c'est qu'est-ce que je voulais faire. Et j'ai fait, you know, my goal, c'est j'ai rien à faire, you know, maintenant. Mais t'sais, avoir un kid, faut pas devenir fou non plus, là, ça meurt pas gratis, là, tu sais, faut que tu sois poche en tabarnak pour qu'il soit mort, ou faut que ça soit que ça arrive une flèche tirée dans les airs, tu sais. Avoir un kid, c'est de la... tu te poses des questions, t'es-tu correct, ça va-tu bien, comment... Tu sais, c'est philosophique avoir un enfant en plus, tu sais. Mais ça se fait tout seul, là, c'est la vie, là, ça grandit, c'est toi, t'en veux-tu? J'en veux, mais tu sais, j'en veux pas à tout prix non plus, puis j'ai déjà eu cette discussion-là avec mes parents, puis tu sais... Parce que quoi, tu voulais faire un enfant avec tes parents? Non, non, non. Mais c'est bien weird. Pourquoi mais, non, mais Chris, c'est que, ben... t'as une blonde. Plus d'autres, okay, j'avais pas... combien de temps, une blonde, je le niais. Man, j'ai jamais rencontré sa blonde. On est toujours ensemble. Et si j'ai une blonde, je te connais pas, je l'ai jamais vue. J'ai toujours fait la sexe avec mon père. Et il tombe jamais ensemble. Non, mais... la conversation, père, je suis pas sûr, je suis prête. Non, c'est que, tu sais, ben, ce que je sais pas pour vous autres, mais moi, je sais que mes parents, ils m'ont souvent demandé, genre, avec là, ben, tu sais, parce que j'ai un frère plus jeune, puis lui, il y en a deux déjà. Fait que. Tu lui fais quoi dans la vie pour le fun, ton frère? Ah, il travaille pour une compagnie, il s'occupe de remplir des machines distributrices, dans le fond. Il y a comme une compagnie, dans le fond, qui gère ça. Okay. Puis il part le matin avec son camion, puis il fait, comme, je sais pas, moi, une vingtaine de spots, puis il remplit ces machines-là. Okay. Fait que. Il était un vrai fait, gars, un vrai humain, un working man. Il est pas comme ça. Ouais, exact. Fait que, tu sais, mes parents, ils m'ont comme fait sentir un peu, ben, pas sentir coupable, mais tu sais, c'est un peu la fameuse question de genre, ah, ton frère est plus jeune, puis il y en a déjà deux, tu sais, toi, t'en veux-tu, tu sais, puis de là, j'ai eu la conversation avec mes parents de faire comme, j'en veux, mais tu sais, je sais pas, moi, j'en veux pas avec n'importe qui, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'ai pas envie de. Tu sais, je veux dire, moi, mes parents sont séparés quand on était jeune, puis j'ai pas envie de, comme. Faire ça. De suivre un peu la même track, tu sais. Je sais pas, on n'est pas. On est pas. Je suis pas Nostradamus, je peux pas prédire l'avenir, mais dans le sens que. Je sais pas, moi je veux juste. Je suis pas pressé d'en avoir. Si un jour ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas. Ben, tu sais, t'en veux pas. Fait que tu peux dire jusqu'à 44, ouais, t'es correct. Ouais, moi j'étais 43. Sinon, je veux emporter le femme de Mike Patterson. Je veux le faire le yoga, le masser le vagin. Toi, t'es correct longtemps. C'est la femme. Tu sais, toi, tu peux dire. C'est la femme qui, à un moment donné, ça. Ma femme est comme 9 ans moins d'âge que moi. Ouais. Et le père de Monica, quand on a fait le bébé, elle a dit, ça a pris combien de temps de donner moi un granddaughter? I'm like, je sais pas, 15 minutes? C'était bon, 15 c'est minutes? Vraiment, 15 minutes? C'est vraiment ben, j'ai passé les 12 minutes à le masser le vagin. Pour préparer pour le préparer pour le pepperoni à le Mike Patterson. On part à tourner, bro. On fucking dueling Pattersons. Like, they're Pattersons. Mike and Patterson. Mike and Patterson. Love it. On part à saluer de Léa. Bon sang. Ou juste Mike Baudouin and him. Cool. C'est drôle, man. Ouais. J'ai même pas où vous lancer après ça. Je suis comme. On dirait, je parle avec deux. Toi, t'en veux-tu des flots? Ouais. Je sais plus. J'aimerais ça. T'aimerais ça? Ouais, t'aimerais ça. J'aimerais ça. Ben, moi, c'est la même affaire. Vu que ma vie était tellement fuckée. Que à Star, on dirait, j'étais. Plus je vieillis, plus tu deviens quand même intelligent, puis tu réalises plein de style shit. T'es comme, ouais, je sais pas si je me fais confiance encore. C'est plus ça. Ouais, est-ce que je me fais confiance à moi-même? Ouais, faut que tu fasses confiance à ta blonde au départ, tu sais, parce que, faut que tu fasses confiance à ta blonde, tu sais. Ta blonde, elle te connaît, elle veut avoir des flows.
tu fais confiance à ta blonde aussi. Là. C'était une équipe à deux. Moi, quand je me suis séparé, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un très mauvais père. Tu sais, c'est avant ça, je ne savais pas. Tu sais, ben, je ne suis pas un très mauvais père, là, tu sais, mais OK, là, faut que tu mettes tes tracks à la bonne place. Puis c'est difficile à faire ça quand on a notre style de vie quand même. Tu sais. Ouais, moi, c'est ça qui me fait peur. T'es déjà là, je suis fucké. Plus avec mon style de vie. Ben, avec une chance qu'il y ait quelqu'un me en vieillissant, j'ai hâte d'être rendu à dire non à un shot. Mais vous autres me connaissez avant le kid. J'étais capable de boire toute la nuit long. C'était amazing. Maintenant, ma bébé, elle réveille à comme 7 heures du matin et elle veut jouer. Elle veut jouer avec moi, you know? Ça faut que je boire moins. C'est quelque chose. C'est là qu'à un moment donné, t'enlignes tes priorités, j'imagine. Tu choisis. Genre, c'est soit que je. Brosse à 3h du matin où je me lève de bonne heure puis je joue avec ma fille. J'ai fait un festival à Moncton, j'étais sorti jusqu'à 4h chaque soir et j'étais vraiment pas bon à boire encore. Bon. Ça ferme pas à 1h à Moncton? Non, mais quand t'es à un festival, tu pourrais aller dans une chambre de hôtel. Tu t'appelles le Mike Patterson? Tu peux ouvrir une pote et aller où tu veux à Moncton. Il buvait de la bière avec goûter le curry. Moi, j'ai mis un cheese plate. Si tu viens à le... You know, you've done hotel parties with me. J'ai toujours comme un spread. J'ai comme 3 fromages, hummus, toute ma bière. We're partying, bro! Ça fait un party! Je savais pas si c'était un party ou un buffet. Ouais, c'est comme. Mais c'est comme... Dans ces années-là, c'était comme. Hey, où la poudre? C'est un fancy party. Dans le hummus. Dans le hummus. Dans le hummus. Essaye les carottes dans le hummus. Tu vas voir, là, ils sont plus faciles à le manger. Ah ouais, t'as un devis avec du fromage, toi, puis de la. Mais quand t'es à un hôtel avec tous tes humoristes, il faut que tu fasses quelque chose, you know? Comme. On est chez nous, you know? C'est comme dans un hôtel, c'est fun. Demandez-vous des affaires? Ça me fait pas. Dans votre loge, demandez-vous des affaires? Mettons, tu t'en vas faire un corpo, des bouteilles d'eau? Ouais, mais bouteilles d'eau, moi, c'est pas mal ça. Je déteste vraiment être demandant. T'sais, des fois, quand je fais des festivals, je sais comme combien un gros nom il est payé. Je suis comme, calice, ça n'a pas de sens qu'il est payé ce montant-là pour 25 minutes. Là, j'ai entendu 25 000 pour 30 minutes un moment donné. J'étais comme 25 000 pour 30 fucking minutes. Ouais. Moi, je suis payé combien? 300? Ça devait être un choix en anglais. Comme, fuck! Mais je suis comme, regarde, je vais prendre des bouteilles d'eau, je pense qu'il ne reste plus une caisse de scène. T'sais, c'est quoi? T'sais, mais quand je vois des crudités, je suis tout content parce que qui achète un essai de plateau de crudités à 25$, ça coûte tellement cher, l'épicerie, là, du céleri, des carottes, puis un dip. C'est nice. Je suis content. Je suis comme, oh, OK, cool. Quand t'arrives dans la loge, puis il y a des sandwichs, c'est le fun, pareil. Oh, ouais. T'sais, t'as de la c'est bouffe, fun, t'sais. C'est nice. T'sais, ça s'appelle la loge. Ouais. C'est ça, la loge. Comme la Run Comedy Hall, right? C'est avec tous les casinos. Ça, c'est, man, t'as un snack, t'as la bière. Fuck, t'as tout. Au casino, man. J'y vais souvent, mais je vais pas jouer. Je fais pas spectacle. Mais c'est le Montréal. C'est le Montréal de toute la ronde. Non, je gâche. Montréal, c'est sick. C'est comme le quartier du Strand, mais plus gros le setup. C'est vraiment wow. Oh, c'est man, glamour, là. Casino qu'on Montreal, était là, ouais. Qu'on était là l'autre soir. Crazy bon. Ouais. C'est freaking bon. Et C'est bien fait et c'est moi je suis toujours peur des casinos à cause de Niagara Falls et Las Vegas. C'est vraiment ça m'a fait peur parce que avant c'est toujours le monde qui gage trop, qui allait à le spectacle gratuit, qui a sa vie marche pas bien, pas bonne humeur. Maintenant ils voient un spectacle d'humour, c'est pas comme ça avec des francophones. Je les ai fait comme Casino Charlevoix aussi, c'était vraiment cool. Three Rivers, Trois Rivières, t'es freaking bon. Three Rivers, c'est un bon casino à Three Rivers. À Three Rivers. Moi, j'appelle Trois Rivières. Comment tu dis Magog? Magog? It's so funny. It's Magog, bro. On dit Magog, pas Magog. Moi, j'étais correct avant d'arriver ici. Il ne sait même pas comment tu dis Three Rivers. Three Rivers, ça n'existe pas? Non, c'est Trois Rivières. Magog, ça existe? Ouais, mais c'est Magog. Ouais, mais là, c'est parce que tu dis, ah, c'est parce que tu fais un tréma puis il n'y a pas de tréma. Tandis que toi, Three Rivers, c'est à Calis en anglais. Tu comprends? Non. Magog, là. Ouais. Toi, tu dis, c'est Magog. Ouais. Okay, mais c'est écrit M-A-G-O-G. Ouais. Que je dis Magog ou Magog, c'est M-A-G-O-G. Ouais. Three Rivers, T-I-E-E-I-E-V-E-I-S. C'est même plus le même nom. Tu sais, c'est un nom de ville. De Trois-Rivières.
ouais. de Trois-Rivières. T'sais. C'est comme si tu dis Vincent, tu l'appelles 20-100. Hey Vincent, 20-100. Ça, je l'ai dit, c'est comme fou, hein? C'est comme si tu l'appelais. Tu comprends? Je comprends. Yeah. Tu m'as, anyway. Tu m'as fâché, mais. Tu m'as fâché, hein? Fâché, bro! Moi, oui. Toi, oui. Ça, c'est là. Il est plus pareil depuis qu'il est assis sur une chaise haute. Et ça, oh, il comme, il donne 2 pouces et maintenant il est comme like, oh là j'ai power. La prochaine fois qu'on L'Italien va voir lui sort, là. Je suis tellement pas bon pour me fâcher, tu sais, j'ai fait semblant de me fâcher, tu sais, sur scène tu parles, tu tapes ton micro What? Aussi, tu sais, mais ça t'y a pas de speaker. Fait quand j'ai tapé mon micro, il y a juste le gars de son qui a fait ben ça. Lui, il a senti que j'étais fâché. C'est à quoi qu'on sait qu'on se battait? Aucune idée. Megan. Ben, elle m'a dit Megan, Gaston. Sarah Joke. Granby. Tu sais même pas prononcer le D et le B. Toi, le B, on sait que tu le prononces bien, le B. Tu prononces le B. Ormstown. J'allais bien. J'ai déjà joué à Ormstown. What a town. Quel, il y a plein de vaches. So many vaches. Ils sont toutes à avant. Wow! Ouais, donc on s'en va avec quoi? C'est, ça. C'est tout un dimanche après-midi. Les, hein? Les seuls qui ont des enfants. Ouais. Ouais. Mais toi, t'en as deux. Ouais, mais moi, ils sont vieux, 15. Ouais. 15, puis l'autre, on sait quoi son nom. Ah, déjà. Tu l'aimes pas. C'est ça, c'est quoi son nom? Elle s'en va sur 18, là. 18 ans, ma fille, c'est quand même pas pire. Ouais. Là, j'ai organisé un show. Quand elle va avoir 18 ans, un show de musique, à sa date de fête, première soirée d'un bar, on fait. Ben, je vais faire un show de musique, elle va venir chanter 4-5 tunes avec moi, puis après ça, c'est son party. Tes enfants sont-ils capables de jongler des pommes? Non, ils sont pas capables de jongler. Pas en tout. Assez d'argent de payer lui pour lui-même pour faire des pommes. Il y a bien des affaires qu'ils sont pas capables de faire, genre ramasser leurs assiettes, un paquet d'affaires qu'ils sont pas capables de faire, mais de la poudre, oui. Ils font de la poudre ses pommes. Ils font de la poudre ses pommes. Collier, c'est rendu loin la drogue aujourd'hui. Estime. Non, mais t'as un flow qui va être 18 ans. C'est quelque chose à dealer là, quand même. Oh, oui. Tu sais, c'est. En plus, tu dis encore flow. C'est quand même. Ouais, c'est vrai. C'est encore un flow. Moi, à 18, là, j'ai commencé à vivre ma crise d'adolescence. Ben, c'est ça qui. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve fascinant en vieillissant. C'est qu'à quel point tu réalises que t'étais pas vieux comme tu pensais que t'étais à cet âge-là. Tu sais, moi, à 18 ans, j'étais comme, je suis majeur et vacciné. Ah, genre, oui, je suis mature. Homme. Et, mais, ouais. Avec le recul, je suis comme, mais j'étais un jeune sans dessin. J'étais comme, mais. Tu trouves ça juste fatiguant. Tu sais, faut que tu leur fasses confiance. Faut que tu leur fasses. Tu sais, à cet âge-là, faut que tu sois sûr qu'ils soient respectueux et empreints de bonté. Tu sais, ils sont pas méchants, là. Tu sais, ils peuvent faire n'importe quoi, tu sais. Puis pas trop être naïf, pas se faire embarquer, influencer par les autres. Exact. À minute qu'ils sont capables, si, d'être popés dans la vie, puis qu'ils font des expériences, tu peux pas y chicaner. Tu peux pas chicaner ton enfant de 15 ans qui a pris un coup, aussi. Non. Tu peux pas rien faire. Tu peux pas dire que t'as pas ça. Je me souviens, écoute, la première fois que j'avais viré une brosse, j'étais tout gêné parce que j'étais pas capable, de garder ce secret-là. Puis je l'avais avoué à mon père. J'avais fait « My père, il faut que je te vous dise quelque chose. » J'ai viré une brosse en fait, semaine passée. J'ai bu des durings. Puis j'étais rendu genre à quasiment 17 ans. Puis il avait comme « Bon, il était temps que tu te déniaises. » Tu sais, non, mais à un moment donné, ils ont tous passé par là. On oublie des fois que nos parents ont passé par là. Mais... Ma première brosse, moi, je me souviens, mon père, il était venu me chercher. J'étais. Ben, en réalité, j'étais. C'était au Durango, fruits sauvages, j'ai vomi toute la nuit. Là, à un moment donné, je dormais dans le Durango rouge. Le Durango, ça dit quelque chose, les tornades. Ça, je m'étais réveillé, j'avais une plaque de sucre, de colis. Je ressemblais à une pomme, tu sais, mon chum. Le destin t'avait choisi, Tom. Le destin m'avait choisi en esti. Puis je me souviens, j'étais embarqué, mon père était venu me chercher. Il n'avait pas dit un mot. J'étais assis en arrière à côté de mon petit frère. Ben, en réalité, je savais qu'il allait mener mon frère à sa job. Fait que j'étais allé l'attendre, là. J'étais à tout croche, aussi. Puis en descendant à Saint-Blaise, c'était 15 minutes de char, on restait à Saint-Blaise. Blaise. Je vomissais puis je ravalais parce que j'avais trop honte. Mon petit frère, je me souviens du regard de mon petit frère à côté qui me regardait faire ça. Là. J'avais tellement honte. Je me suis jamais fait chicaner. Là. J'aurais pu vomir dans le champ en grandeur. Là, je me serais fait chicaner. Ouais. Mais je me souviens à première brosse. C'est tellement honte. Ça se compte pas. Hein? Coupera ça le bout du vomi. Mais non, c'est. T'en souviens-tu, toi? Ta première brosse? Ouais, mais personne n'est venu me chercher.
Oh, moi, c'était Mike Sart Lemonade, man. Nobody came to get me, man. Ça colisait, man. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est quand j'avais dit à mon père, j'avais viré ma première brosse, puis j'avais pas été malade. C'est comme, ben, une brosse. J'ai une brosse, on a pris une coupe de bière, puis tu sais, à cet âge-là, t'as assez pour te saouler, là. Mais la première vraie brosse, on dirait qu'après ça, c'est comme quand il m'a dit, bon, il y a tant que tu te déniaises, on dirait qu'il m'a comme un peu donné l'OK de brosser. Fait que là, j'étais comme, let's go, c'est parti, tu sais. Puis je me souviens, ben, la vraie première brosse, quoi, j'avais brossé, là, je sais même pas si ça se compte ça avec, mais j'avais tellement brossé, j'avais fini à l'hôpital. Genre, j'ai juste pass out, genre. Intoxication. T'sais? Intoxication. Je suis tombé d'un buisson. On marchait sérieux, on s'en venait, puis paf, je suis juste tombé d'un buisson. Ils ont appelé l'ambulance, puis je suis ramassé à l'hôpital, puis je me suis réveillé, puis je me suis réveillé, puis je vois pas, sur une civière, mais devant la réceptionniste. Blogué intraveineux avec le sac, puis hey, c'était un esti de réveil de lendemain de bras, ça, là. Ouais, mais c'est, ça te nourrit. Non, non, je sais. C'est ça qui m'a comme réhydraté et compagnie. Mais tu sais, t'imagines, là, moi, le dernier souvenir que j'ai, on avait du fun hier dans un party, puis là, je suis devant une réceptionniste à l'hôpital. Je te tape, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, hey, là, appelle ton père, là. T'as 17 ans, là. T'appelles ton père, moi, viens me chercher à l'hôpital. Oh, yes. Tu sais, t'es-tu honteux, tu penses? Ben là, tu dis à ton père, c'est ta faute, c'est toi qui m'as donné le go. Mais j'aurais été bien correct, tu aurais fermé ta gueule, juste venir me chercher comme tout le monde. C'est surtout inquiétant. Moi, le téléphone sonne, il a cherché à l'hôpital. J'ai pas de fun. Là, ah, mais c'est moi qui l'avais appelé. Ah, c'est toi qui l'avais appelé, je suis à l'hôpital. Ben, ouais, là, quand j'ai eu le OK des médecins, ils ont fait comme, ouais, là, fais attention, brosse plus jamais de même. Mais tu sais, t'as aucune idée de ta capacité. Puis là, on avait commencé à boire du phare, tu sais. Je me souviens, c'était des Sex on the Beach. Là. Puis, tu sais, moi, les verres, c'est bon, c'était sucré. Tu sais, t'as 17 ans, mais non, mais c'est, ouais, t'es aussi pas irresti que des Durango. Là, ça goûte sucré, t'aimes ça, tu goûtes. Hey, moi, je me souviens, je calais les verres. De là, un moment donné, la réalité a fait comme genre, on arrive là, ciao. Excuse-moi, je. T'as pas sport. Non, mais la vie, ouais, la vie. J'ai pas compris, là, c'est qu'elle a dit toi. Mais moi, le pire, intoxiqué, je me suis pas ramassé à l'hôpital, mais je me souviens, c'était après l'école, un vendredi soir, tu sais, tous les jeunes, on s'en va, tu sais, dans la forêt, tu sais, un bike path, ouais. On s'en va tout là, tu sais, on est à peu près 20-25, tout là, puis on a tout amené nos alcools, il faisait encore soleil, puis moi, j'étais de la Colt 45, la grosse bière, Colt 45, ouais. De l'Ouest canadien, là, dans le sac de papier brun, tu sais, parce qu'on écoutait Dr. Dre, puis Snoop Dogg, puis if you had the paper bag, you were in the gang, right? Yeah. So, moi, c'était tout, puis on faisait part aux autres, si on essayait de réveiller un papa de sac, là, tu sais, quand tu te gonflais. Puis un moment donné, Chris, on attend, on faisait un feu, mais Chris, quelqu'un, un résident a appelé les pompiers, puis on attend une sirène, mais là, tout le monde, comme des kids, qu'on attend une sirène, run! OK, là, tout le monde se dispatch comme un village de fourmis, mon gars. Tout le monde. Wow. Puis là, moi, je cours. Mais je monte la montagne, mais je suis seul. Mais je suis avec mes deux Colt 45. All right? Et là, finalement, il y a deux autres filles qui sont là. C'était avec moi. On est là, cachés derrière une roche, puis on attend. Puis là... Non, une grosse roche, c'est dans la forêt. Une grosse roche. Non, mais on est là. Mais check bien. Mais si, là, les filles, je sais, on était toutes sous. Puis là, ils disent, attends-tu de faire un trip à toi? Moi, j'ai 16 ans. I'm like, fuck. Pendant les pompiers. Écoute, ma shot. Fait que là... On est là derrière la roche, puis là, on commence à se faire un chute de kit. Mais là, fait 10 minutes, j'ai 4 mains dans la culotte, OK? Mais là, j'ai bu mes deux Colt 45, là. Et hey, là, je suis pas capable de bander. Il y a une des filles qui me dit, « Hey, what is it? Are you hard to... You don't have an erection. » Tu sais, puis moi, la première chose que j'ai dit, c'est, « I'm hard to turn on. » Tu sais, j'ai dit, « Je suis dur d'exciter. » Gros, une main crème à main, dur comme une fucking ball. Mais quatre mains qui sont pas en moi. Je dis, « Je suis dur d'exciter. » Mon gars, j'étais tellement paf. Et là, black the fuck out. Et là, ça a l'air que les filles sont parties chercher des amis. Il fallait qu'ils me trail dans le fucking bois. J'étais pas réveillable. L'eau dans la face, tout le mec m'a frappé dans la face, mon gars. J'avais des marques, ça avait pas de sens. Mais là, ils me draguent. On était à un arrêt de bus. Fait que là, ils m'ont embarqué dans l'autobus. On est comme 8. Elle m'a embarqué jusqu'à Southgate, Edmonton, un gros terminal. Et là, 3 heures de puis là, écoute, non, c'était long. Là. Puis là, mes chums n'étaient pas capables de Chris me réveiller. Fait qu'ils m'ont collé dans une carrosse. J'habitais pas loin. Fait qu'ils m'ont poussé dans une carrosse d'épicerie. Mon gars, j'ai... Écoute, puis juste un moment donné, ça m'a réveillé. Je me souviens d'avoir vu le logo d'IGA. J'étais dans le parking d'IGA. Stop the cart. Juste dégueulé. Chez nous, j'étais deux jours.
bandé. Intoxiqué. J'en pense aux quatre mains. Chris, c'est ça. Finalement, tu devrais raconter mes histoires, ça aurait plus le fun. Colis, c'est ça. Mais Chris, c'est ça. On va finir sur un gros punch de même. Colis, c'est ça. On a fini par des drogues. Yeah. That's it. Fait que, ben, c'était les loges, les boys. Right. Ça s'en va à Québec, toi. Et pelle les dents, encore une fois. Les loges! L-E-S! L-O! J? Yeah! E-S! Yeah, yeah baby! Je sais pas qui va apprendre l'alphabet plus vite, son bébé ou lui. Oh my god! Bébé, déjà, connaît comme quatre mots en français, comme des mots en allemand. C'est six de plus que toi, ouais. C'est. Connaît quatre mots, c'est six de plus que toi. T'en vas à Québec à soir, toi? Ouais, m'en vais à Québec à soir, mais le monde ne va pas le voir. Là. Moi, je suis à Québec à soir, Québec mercredi. À Shop à Saint-Jérôme, jeudi, tu en cours, vendredi. Ouais, c'est ça. Ouais, mon père a besoin de cash. Fait que, non, puis après ça, en show au Patriote encore vendredi. Puis okay. Après ça, on va être tout de suite encore un autre dimanche. Fait que, mais là-dessus, Chris, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, les boys? Ça, c'est le moment où on prend un petit 30 secondes, plugger tout. Merci d'écouter à la maison, tout le monde. Alors, si vous avez aimé les invités, allez checker Dom Léonard. T'es où? Qu'est-ce qui se passe? Pas de nous, tes réseaux sociaux que tu t'en occupes pas. À soir, m'en va t'amener à Québec. Mercredi, m'en va l'amener à Québec. je sais pas, parce que j'ai des shows. Je sais que vendredi, je suis au Patriote à Montréal. Samedi, j'ai des shows. J'ai des shows. Mais ça va bien, mes affaires. Il va falloir vraiment qu'on travaille ton plugage des réseaux. Oui, absolument. Je pense que j'ai un Facebook. Oui, j'ai un Facebook, mais je sais pas où ce qui est. Je le charge d'un papier à la maison. je m'appelle Dominique Léonard. Dominique Aniseka Léonard. Puis humoriste, puis vous allez me trouver. Mais à un moment donné, on va s'annoncer plus. Ouais. Je vais avoir une équipe qui va m'annoncer. Sur Instagram? Non, j'ai pas ça, ça a pas marché. Pas hey, non, mais j'ai un téléphone au moins, j'ai été un an et demi pas de téléphone quand ça, même. Ça, c'est vrai, man. Là, j'ai un téléphone. Oui, c'est vrai, je suis fait un show ensemble, puis tu vas dire, hey, rejoins-moi, coin Descaries puis Sherbrooke, puis attends-moi. Ah, ben ouais, c'est t'es arrivé à la minute près. Hey, merde, c'est moi. Ah, je me suis dit, j'étais sur le bord d'acheter un téléphone, là, juste pour dire, là, hey, comment. Hey, réponds-moi. Hey, réponds-moi, là, Chris, quand je te parle. Là. Ouais, j'étais tellement bien. J'aimais tellement ça, pas de téléphone. Parce que ça sonne pas, tu sais. Ah, ouais. À un moment donné, je dis, ah, je vais checker, voir mes shows, quand est-ce, si je suis libre. Là, tu dis, oh, calice, elle m'a écrit. Ah, OK, ah, ouais, ça. Là, tu tombes. Ouais. Je déteste ça. T'es supposé te donner une date. Puis là, je suis rendu dans trois petits sujets. Que, ah, ouais, c'est vrai, si, j'ai pas payé ça. j'aime pas ça. Fait qu'allez suivre Dom Léonard, Dominique Léonard, humoriste. Assez trouvé ça. Have fun. Si vous trouvez le lien, écrivez-le dans un comment en dessous de la page. OK? Trouvez Dave Godette, checké dans ses amis. Mais dans mes amis, t'es Léo Léonard. Ouais, c'est même Léo pas Léonard, Dominique. Mais pas, vous pouvez venir sur Léo Léonard, j'accepte tout le monde. Hey, toi, Nick, qu'est-ce qui se passe? Ben encore une couple de petits shows dans les soirées à Montréal, les environs. Puis j'ai parlé aussi avec Nick, propriétaire du Patriote, pour refaire mon show d'une heure aussi. Là, fait qu'il va y avoir une date qui va sortir sous peu pour un autre show d'une heure à Saint-Jérôme. Pas Saint-Jérôme, moi. Quoi, t'as manqué le premier? Quoi? Non, pas tout, ça a tellement bien été que. Non. Ah, c'est un show à fuck, c'est quoi les fans? Oh, man. Depuis qu'il est assis, c'est un booster, là. Non, mais. Check bien ça quand on se lève, s'il va se faire mailler la crasse. Tout le monde va se lever son point. Bon, ça sent encore un peu, moi, ça. Ouais, fait que, ouais, non, ça va tellement bien été que là, on va sortir une nouvelle date. Fait que, grosso modo, c'est ça. That's it. Sinon, ben, Instagram, je suis plus Instagram que Facebook. Je sais pas pour vous autres, mais j'ai pas jamais eu le ouais, format. Sur Instagram, il prend beaucoup de photos de plaques de genre. Ouais, des photos de chats. Ouais, c'est moi, j'ai un petit fun à faire avec ça. Des plaques de genre personnalité. Moi, je suis ben, personnalisé, je suis juste comme, je trouve ça ridicule. Moi, c'est comme à quel point t'es mange-marde dans la vie pour. Tu sais, genre, que tu sois à l'aise financièrement, c'est une chose. Mais t'as assez d'argent pour faire comme, moi, je le prouve avec une plaque. En tout cas, je sais pas. C'est comme se faire faire un tatou avec son propre nom. Ouais. Ben, Mike Patterson en a un dans le bas de dos. Léo Leonard on Facebook. Leon. Sur mon...
Ouais, puis sinon, Nick est toujours en première partie de mon show à God Ouais. Alors, quand vous voyez ça, Nick est toujours là pour assurer la première. Un excellent right. job à se faire manger le cul. Ça dépend la fois, je peux faire la première à la Michael Patterson style. C'est sûr, là, Patterson. Fait que dans le fond, j'annonce Mike Patterson qui fait ma première, mais c'est Nick qui arrive, comme ça, je fais 4 billets de plus. Je le fais le show juste en arrière le rideau. Personne ne le voit, personne ne sait, c'est pas toi. Je fais le show comme ça, puis. Pas juste bouger les lèvres. C'est pas French comedy. French comedy is easy, man. You just gotta do like a joke. Je fais le bébé avec. Hey, Mike Patterson, qu'est-ce que ça vient pour dire? Moi, là, le show le Casino, j'ai fait le show Magog, j'ai fait le show Ormstown, j'ai fait le show Three Rivers, j'ai fait la première partie de le show de. Tu l'as mieux que lui, ici. Il fait un plus bon job de. C'est ça qui est le plus drôle. J'ai jamais fait le. Thanks, everybody! Je vais appeler le booking le casino. Je vais faire, why Mike Patterson va faire ça, le voir le show encore au casino Montréal? C'est un épisode de overdose de Mike Patterson, sérieux. Excuse-moi. Hey, man, mais je sais. Le pire, c'est ça. Je le ferais pas si je le savais que. Je suis habitué à ça. Yeah. Je suis un target. Mais notre ami handicapé qu'on aime. Sauf toi, tu ne nous amènes pas en cours pour 42 000. Toi, tu te prends un joke. Ben, c'est pour ça que je le fais aussi. Je sais qu'il ne prend pas personnel quand je le fais. Non, pas du tout. I love it, bro. Yeah, yeah. J'adore ça. Juste si tu fais pas ça avant moi. Ça... Non. Parce que là, il faut que je fasse mon spectacle. Ouais, il faut que je fasse mousser le mien. Si toi, tu fais mon spectacle avant moi, je fais mon spectacle, c'est fucked up. Right? Tu pourrais arriver pour faire les jokes de Nick Lavoie. Je sais. Yeah, ben, moi, j'ai déjà trouvé une fille qui me demandait le. Les jokes de Nick Lavoie sont plates. Boom! Boom! Holy shit. Shit, on va me lever de bout tout à l'heure. Lay loges. All right, bon, fait que, Mike, what's coming up? Oh, shit, everything. J'ai un album en anglais qui s'appelle Mike Patterson Live at Wembley Stadium, mais c'est pas vraiment Wembley Stadium, c'est The Comedy Nest, mais j'ai juste dit London! Scream for me! Et c'est vraiment, c'est sur iTunes. Je vais faire mon one-man show à juste pour rire, hahaha.com. There's only 2 shows, so achète vite. Ça va être sell out. And I don't know, Raven's Quest. Je suis encore sur TVO Kids. Et tout ça, c'est bon. La saison 2 de Raven's Quest, tu veux voir des Premières Nations kids en faire sa vie. Et moi, je joue un raven. Un corbeau? Un oiseau qui fait, ah, hey, let's see what this guy's doing. You know, c'est comme je joue un oiseau. That's not bullshit. So, you actually play it. Yeah, 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 yeah. Wow, and you're representing Canada. Yeah, yeah, man. The fucking bird. I'm from Comedy ZZ. I dress like a bird, people. No, c'est animé. C'est juste ma voix. Okay, I thought you were like Barney. I saw you like Barney in 60 back. Hello, kids. Hey, I'm a raven. Hey, you guys want to know what Canada's like? My name's Mike Patterson for Brie. I could do that. I thought you were a big Barney. No, I wish. Fucking hilarious. I'm a raven. You see me by ravens, I'm a braven, braven. I'm a braven, you know. You guys were fucking awesome. Merci beaucoup de venir. C'était encore les loges. Merci à Stéphane. Merci à Mac. Merci à tout le monde. Si vous n'avez pas subscribe encore à la page, faites-les en bas. Commentez les meilleurs moments que vous avez aimés. Et là-dessus, on va se revoir avec un autre épisode du peu. Fait que là-dessus, mon nom, c'est Dave Godet. Peace. See you guys. Ciao.